Bonjour et bienvenue à cette réunion de mi-semaine. On est heureux de pouvoir louer ensemble, passer un temps de louange ensemble. N'hésitez pas à chanter avec nous. On va commencer par ce chant qui nous dit « Mon chant est une arme qui détruit tous mes ennemis ». On va le chanter, on y va. Jésus, merci d'être avec nous. On y va, mon chant. Mon chant est une arme qui détruit tous mes ennemis. Mon chant est une arme qui chasse mes peurs, mes soucis, et qu'il s'élève, qu'un chant s'élève. Nous te louons dans les ténèbres et tout s'éclaircit. Nous te donnons la gloire et proclamons ta victoire, et qu'il s'élève, qu'un chant s'élève. La peur disparaît en ta présence. Le Dieu de victoire est pour nous à jamais élevé. La création s'écrie, Dieu soit loué. Oh. La peur disparaît en ta présence. Le Dieu de victoire est pour nous à jamais élevé. La création s'écrit, nous verrons les murs s'écrouler, les géants s'effondrer. La peur disparaît en ta présence. Le Dieu de victoire est pour nous à jamais élevé. La création s'écrit, Dieu soit loué. Oh. En toi j'ai trouvé la vie, ta liberté m'a franchi, tout l'univers se réjouit, louons-le, louons-le. En toi j'ai trouvé la vie, ta liberté m'a franchi, et tout l'univers se réjouit, louons-le. En toi j'ai trouvé la vie, ta liberté m'a franchi, et tout l'univers se réjouit, louons-le, louons-le. En toi j'ai trouvé la vie, ta liberté m'a franchi, tout l'univers se réjouit, louons-le. La peur disparaît en ta présence. Le Dieu de victoire est pour nous à jamais élevé. La création s'écrit, Dieu, nous verrons. Nous verrons les murs s'écrouler, les géants s'effondrer. La peur disparaît en ta présence. Le Dieu de victoire est pour nous à jamais élevé, la création s'écrit, Dieu soit loué. Hey. Alléluia. Seigneur, apprends-nous à prendre les combats que tu nous appelles à prendre. Jésus, apprends-nous, Seigneur, ce que nous pensions savoir. Apprends-nous, Jésus. N'es-tu pas celui qui tient les nations dans sa main, celui qui ne
change point. N'es-tu pas celui qui considère mes besoins, chassant l'ennemi au loin? Ce n'est pas mon combat, éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat, Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. N'es-tu pas ce père qui a laissé jaillir sa joie quand j'ai découvert la foi? N'es-tu pas ce père qui s'est élancé jusqu'à moi pour m'entourer de ses bras? Ce n'est pas mon combat, avec nous, éternel des armées, tu précèdes Jésus. Ce n'est pas, nous le disons, ce n'est pas mon combat, Christ est ressuscité, la victoire on le proclame ensemble. Ce n'est pas mon combat, éternel des armées, ce n'est pas mon combat, Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. Ce n'est pas mon combat, ni par ma force, ni par ma puissance, mais par ton esprit. Alléluia. On chante ensemble. Quand le combat fait rage, tu restes souverain. Force et puissance sont dans ta main. Et je reprends courage. En toi je ne crains rien. Tu es ma sous.
Tu es ma défense et mon soutien. Oh Jésus, tu es ma défense. Parce que peu importe là où nous nous trouvons, Seigneur, tu es présent. Tu es présent dans nos vies. Merci Seigneur, parce que c'est vrai, ce n'est pas notre combat, Seigneur, mais c'est toi qui combats pour nous. Tu es l'Éternel des armées. Merci parce que peu importe nos circonstances, Seigneur, peu importe ce que nous traversons, tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu qui surpasse tout entendement. Alors Seigneur, merci pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Merci pour ces moments, Seigneur, que nous avons pu passer, Seigneur, à louer ton nom, à faire monter, Seigneur, des chants de reconnaissance vers toi.
Nous te demandons, Seigneur, de nous bénir, de bénir. Je te demande, Seigneur, de bénir chacune des personnes qui vont regarder cette vidéo, qui vont assister à ces moments. Seigneur, viens, Seigneur, viens toucher les cœurs, viens rencontrer les besoins. Seigneur Jésus, tu es le Dieu de gloire. Jésus, merci pour qui tu es. Amen. Maintenant, on va laisser la place au pasteur Thomas pour le message. Soyez bénis. Bonsoir et bienvenue à cette réunion de Miss Men. Mon nom est Thomas et je suis très très heureux de pouvoir vous apporter la parole aujourd'hui. Alors que ça fait quelques temps qu'on a repris ces réunions de Miss Men, on espère vraiment que c'est un boost dans vos semaines et un boost dans votre foi. Et aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Allez-vous dans la bonne direction ?» Est-ce qu'en ce moment, vous allez dans la bonne direction ? Parce qu'une des pires choses dans la vie qui peut nous arriver, c'est d'aller dans la mauvaise direction sans s'en rendre compte. Un peu comme ce qui s'est passé le 25 octobre 1964, un jour qui restera à jamais gravé dans l'histoire de la Ligue nationale de football. Alors qu'il y a eu le Super Bowl il y a quelques semaines, pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec les règles du football, une des règles ultimes, c'est que le but ultime pour une équipe de football, c'est d'amener la balle dans le camp adverse. Ok, et le 25 octobre 1964, alors que les Vikings affrontaient San Francisco, Jim Marshall procède à une intervention spectaculaire. Il prend la balle et là, il réussit la course de sa vie. Il parcourt plus de 66 yards, ce qui représente plus de 60 mètres. C'est énorme. Jamais il n'a parcouru cette distance-là en carrière et jamais plus il réussira à nouveau à réaliser cet exploit de courir plus de 60 mètres. Il court. Il avance. Touchdown, c'est la course de sa vie, il exulte, c'est la folie, il est tellement heureux qu'il prend la balle, qu'il la jette hors des limites du terrain, c'est incroyable. Mais là, il se retourne et il voit quelque chose de bizarre, c'est qu'il n'y a aucun de ses coéquipiers qui vient le féliciter. Pire encore, un de ses adversaires arrive et lui tape sur l'épaule et lui dit « merci, thank you ». Et là, il vient de réaliser qu'il avait couru dans la mauvaise direction. Il a couru dans la mauvaise direction. Au lieu d'amener, au lieu de marquer un touchdown dans le camp adverse, il a ramené la balle qui était dans le camp adverse dans son propre camp à lui. Il n'avait vu aucun des signes qui lui montraient qu'il allait dans la mauvaise direction. Et à ce niveau-là, c'est quasiment du jamais vu. Et le pauvre joueur Jim Marshall, aujourd'hui, après plus de 20 ans de carrière, lorsqu'on tape son nom sur Google, malheureusement, ce qu'on trouve, c'est cet exploit. 20 ans de carrière résumé à une erreur. Et cet épisode est triste un peu et est devenu un peu comique pour nous aujourd'hui. Mais il nous enseigne quelque chose. C'est qu'on peut réaliser des efforts, même des exploits. Mais si ces exploits-là sont dirigés dans la mauvaise direction, finalement, ils sont vains. Et mon premier point avec vous aujourd'hui, c'est les signes que nous allons dans la mauvaise direction. Lorsqu'on regarde à la parole de Dieu, Dieu nous dit que dans l'Ancien Testament, la parole nous dit que dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple d'Israël allait dans la mauvaise direction, les signes étaient très très clairs. Les signes étaient très très clairs parce que Dieu avait conclu une alliance avec Israël, une alliance basée sur la loyauté. Dieu leur offrait protection à Israël, qui était un tout petit peuple entouré de super grandes nations, beaucoup plus puissantes que eux. Dieu leur offrait une protection contre toutes ces nations-là. Et en plus de ça, il leur offrait faveur au niveau de l'agriculture, au niveau des récoltes. Parce que le peuple d'Israël, à l'époque, ils avaient un système économique basé sur l'agriculture. Et Dieu leur donnait faveur et bénédiction. Et alors qu'il leur donnait faveur, ce qu'il attendait de eux en retour, c'est une obéissance aux commandements qu'il leur avait donnés pour leur bien. Il leur avait donné toutes sortes de commandements. Parmi ces commandements-là, bien sûr, il y avait les 10 commandements. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu n'adoreras pas d'autres dieux que moi. Mais il y avait aussi des commandements sur comment l'adorer. Des commandements aussi sur comment se comporter avec les personnes défavorisées, comment se comporter avec les pauvres, comment être généreux. Et tous ces commandements-là, Dieu leur avait donné pour leur bien. Il dira même en Deutéronome 4:40 la chose suivante. Il dira ceci. « Observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux, toi et tes enfants, après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. »
Tous les commandements et les lois que Dieu avait donnés au peuple d'Israël étaient pour leur bien, par amour. Et dès que le peuple d'Israël s'éloignait du cœur de Dieu, les signes étaient évidents. Et c'est ce qui se passe dans le livre de Joël. À un moment donné, dans la parole de Dieu, le prophète Joël convoque tout le peuple. Il dit « Venez, venez, j'ai quelque chose à vous dire ». Et là, il fait un constat. Il fait un constat au peuple d'Israël et le constat est le suivant. Écoutez ceci. Vous, responsables du peuple, vous tous, habitants du pays, prêtez l'oreille. Est-il de votre temps ou bien du temps de vos ancêtres survenu rien de tel? Racontez-le à vos enfants. Qu'eux-mêmes le racontent à leurs propres enfants qui, eux, le transmettront à leurs propres enfants. Ce qu'a laissé le vol de sauterelles, d'autres sauterelles l'ont dévoré. Ce que les sauterelles ont laissé, les criquets l'ont mangé. Ce que les criquets ont laissé, les grillons l'ont mangé. Il a fait de mes vignes une dévastation. Et mes figuiers, il les a mis en pièces. Il a complètement pelé leurs troncs et jonché le sol de débris. Leurs rameaux sont tout blancs. Joël fait un constat. Il dit « Nos terres en ce moment sont plus sèches que jamais. » En ce moment, les sauterelles ont envahi le pays. Même nos vignes sont dévastées. Nos vignes qui sont le symbole de paix, de prospérité, de sécurité sont dévastées. Il leur dit « Ça, c'est les signes clairs et marquants que nous avons brisé l'alliance avec Dieu par notre comportement. » Parce que ces conséquences-là faisaient partie des termes de l'Alliance. Alors que vous ne suivez pas Dieu, alors que vous n'êtes pas fidèle à mes commandements, c'est ça qui va arriver. Et Dieu, tel un père qui par amour pour son enfant, le corrige pour qu'il revienne dans la bonne direction, à chaque fois qu'Israël s'éloignait de son cœur, il retirait sa faveur pour leur dire « Hey guys, c'est le temps de revenir à moi, j'ai mieux pour vous. J'ai mieux pour vous. » Et alors que toutes ces récoltes-là sont détruites, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. C'est que Dieu voyant que dans toute l'histoire de l'Ancien Testament, le peuple d'Israël n'a jamais réussi à obéir parfaitement à toute la loi, Dieu est venu et nous a donné une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance, pas seulement avec le peuple d'Israël, mais avec le monde entier. Cette nouvelle alliance-là est basée sur la vie et la mort de Jésus. Par sa vie, Jésus a obéi à toutes les exigences de la loi à notre place. Et par sa mort, il a pris sur lui toute la culpabilité de nos fautes. C'est la bonne nouvelle de l'évangile, c'est la bonne nouvelle de la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Il n'y a plus de condamnation à ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Mais maintenant, lorsque j'ai regardé et lorsque j'ai lu et étudié ce livre de Joël, je me suis posé une question. Je me suis dit, lorsqu'on regarde à l'Ancien Testament, lorsque le peuple d'Israël s'éloignait du cœur de Dieu, c'était clair. Lorsqu'il commençait à s'éloigner, c'était clair, il y avait des évidences, sécheresse, sauterelle, c'était clair, ok, c'est le moment vraiment de revenir à Dieu. Et je me suis posé une question, je me suis dit, est-ce que nous, qui sommes dans la Nouvelle Alliance, est-ce qu'il existe des signes qui montre que tout doucement, nous commençons à nous éloigner de Dieu? Est-ce qu'il existe des évidences? Et quels sont-ils? C'est quoi les signes de la nouvelle alliance qui montrent qu'on est en train d'aller dans la mauvaise direction? Est-ce qu'il en existe? La parole de Dieu nous dit que oui. La parole de Dieu nous dit que Dieu a donné son Saint-Esprit à tous ceux qui ont placé sa confiance en lui. Et d'ailleurs, c'est la grande différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. C'est qu'aujourd'hui, alors qu'on place notre confiance en Jésus-Christ, Dieu nous donne son Saint-Esprit qui change notre caractère, qui change notre façon de penser, notre manière de parler, qui change notre cœur, qui change nos affections, qui nous rend capables d'obéir à la parole de Dieu. La parole nous dit que le Saint-Esprit nous donne la capacité de manifester le fruit de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et c'est une des grâces, un des cadeaux incroyables que Dieu nous fait. C'est qu'alors qu'on est ses enfants, il nous permet d'avoir un amour surnaturel pour les gens qui nous entourent, de nous soucier de leurs besoins, d'avoir une compassion qui est grande pour eux. Il nous permet d'avoir une joie et une paix inébranlables. Pas parce qu'on ne vit pas de difficultés, pas parce qu'on est naïf, pas parce qu'on est dans le déni, mais parce qu'on sait qu'on est les enfants de Dieu et qu'on peut placer notre confiance en lui. Parce que alors qu'on s'accroche à lui, il va faire concourir toutes choses pour notre bien, pour sa gloire. Dieu, par le Saint-Esprit, nous donne la capacité de ne pas être découragé, de toujours avoir un espoir, une foi inébranlable et vibrante. Il nous donne la capacité aussi d'être patient et d'être doux dans des situations où normalement on devrait s'irriter.
le Saint-Esprit change, notre caractère change, notre manière de penser et nous permet de manifester les fruits de l'Esprit. Mais lorsque nous ne manifestons pas les fruits de l'Esprit, ou du moins, lorsque nous manifestons de moins en moins les fruits de l'Esprit, parce qu'encore une fois, la parole est claire sur le fait que celui qui dit qu'en lui-même il n'a pas de péché, il se ment à lui-même. C'est seulement lorsqu'on arrivera au ciel qu'on va manifester pleinement et parfaitement les fruits de l'Esprit. Mais lorsqu'on les manifeste de moins en moins, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre relation avec Dieu. C'est le signe qu'on n'est pas dans la normale que Dieu voudrait qu'on soit. C'est le signe qu'il y a quelque chose qui doit être réparé. Lorsqu'on les manifeste de moins en moins, lorsqu'on s'éloigne tout doucement du cœur de Dieu, on se retrouve bien souvent à une place où on ressent de moins en moins d'amour pour les gens autour de nous, de moins en moins de compassion. On est de plus en plus indifférent aux gens autour de nous. Et puis on se souvient qu'il y a une période où il me semble que j'aimais plus les gens. Il me semble que j'avais plus de compassion envers les gens qui m'entouraient. Il me semble qu'à une période, le fardeau pour les âmes était beaucoup plus lourd à porter pour moi. Aujourd'hui, c'est comme si je suis indifférent. On réalise qu'il y a une période de notre vie aussi où notre foi était plus vibrante, était plus grande. Mais que peut-être à cause des déceptions de la vie ou à cause de blessures, on a érigé une sorte de mur de protection pour ne plus avoir à être déçu et où on n'espère plus vraiment. Des phrases comme « oh, peu importe » ou « c'est pas bien grave » deviennent notre habitude. Des choses qui avant embrasaient notre cœur, nous passionnaient, nous enflammaient, aujourd'hui nous laissent de plus en plus indifférents. Lorsqu'on s'éloigne petit à petit du cœur de Dieu, on devient particulièrement impatient, irritable, dur, froid dans nos réponses. Lorsqu'on s'éloigne tout doucement du cœur de Dieu, on commence à se permettre des choses qu'on ne faisait pas avant. On commence à faire des choses qu'on ne faisait pas avant. On tolère des choses dans notre vie qu'on ne tolérait pas avant. Lorsque notre cœur s'éloigne tout à petit de Dieu, on commence à avoir un fardeau de juste lire la Bible et de prier. Puis on en questionne de plus en plus l'utilité. De la même manière que dans l'Ancien Testament, la sécheresse, les sauterelles, le manque de récolte étaient le signe flagrant qu'il était temps pour le peuple d'Israël de revenir à Dieu. De la même manière, dans la Nouvelle Alliance, notre manque de paix, d'amour, de joie et le wake-up call de Dieu qui nous dit « Reviens à moi de tout ton cœur, reviens à moi de tout ton cœur, j'ai plus pour toi, j'ai plus pour toi. » Et c'est mon deuxième point aujourd'hui avec vous, notre réponse face à ces signes-là. Parce que lorsque ces signes-là commencent à apparaître dans notre vie, il y a plusieurs réactions qu'on peut avoir. Et l'une des pires réactions qu'on peut avoir face à ces signes-là, c'est de les accepter. D'accepter notre manque d'amour, de joie, de paix, d'accepter qu'on manifeste de moins en moins les fruits de l'esprit, que cet état-là devienne notre norme. J'arrive même pas à imaginer le peuple d'Israël qui, rempli de sauterelles, rempli de sécheresse, se dise « bon, c'est comme ça la vie, c'est comme ça qu'on va vivre maintenant pour les 10, 15, 20, 30 années, on va vivre avec une invasion de sauterelles, on va vivre dans la sécheresse perpétuelle ». Non, non, non! Ils ne pouvaient pas accepter ça. Et c'est pour ça que Joël les appelle, Joël, guys, revenez à moi. Revenez à moi, j'ai plus pour vous. J'ai tellement plus pour vous. Et il leur explique comment revenir. Et il leur dit ceci. Déchirez votre cœur et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu. À l'époque, c'était dans les coutumes de déchirer ses vêtements en signe d'indignation, en signe d'indignation contre nous-mêmes, contre leurs péchés. On dit, j'ai péché devant l'Éternel, je vais déchirer mes vêtements en signe de deuil. Mais là, Joël leur dit, ce qui compte vraiment là, ce n'est pas que vous déchirez vos vêtements, mais c'est que vous changiez de direction, que les choses que vous faisiez qui ne plaisaient pas à l'Éternel, vous arrêtiez de les faire et que vous recommenciez à faire les choses qui sont agréables à l'Éternel. Le changement ne doit pas venir de l'extérieur, le changement doit venir de l'intérieur. Le changement doit venir de votre cœur à vous. Et dans la Nouvelle Alliance, le procédé est le même. Et la première étape pour changer de direction, c'est de reconnaître les domaines de notre vie où nous avons arrêté d'obéir à Dieu. Les domaines de notre vie qu'on a arrêté de lui soumettre. Et moi, depuis quelques années, il y a une prière que j'ai découverte. J'ai découvert qu'il y avait une prière à laquelle Dieu répondait immédiatement et toujours favorablement. C'est vraiment incroyable. Et cette prière-là est inspirée du roi David qui l'a priée il y a des milliers d'années, mais qui est encore tellement pertinente pour nous aujourd'hui.
Cette prière se trouve dans le psaume 139 et il dit ceci. « Sonde-moi, ô Dieu, et reconnais mon cœur, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » En gros, c'est « Seigneur, en ce moment-là, je viens vers toi et montre-moi. Montre-moi si en ce moment, il y a des choses dans ma vie qui te déplaisent. Je viens comme une feuille blanche devant toi et Seigneur, montre-moi s'il y a quoi que ce soit que je fais, que je pense, s'il y a quoi que ce soit dans ma vie en ce moment qui ne t'est pas agréable, qui ne t'honore pas, montre-le-moi afin que je puisse te le remettre. Que ce soit des modes de pensée, que ce soit quelqu'un à qui je dois pardonner, quelqu'un à qui je dois demander pardon, un péché que je dois confesser, une série Netflix peut-être que je dois arrêter de regarder. Seigneur, montre-moi s'il y a quoi que ce soit en ce moment qui dans ma vie te déplaît. Et je dois vous faire une petite confidence, c'est qu'avec le temps, c'est comme si j'ai, comme je dis, ça fait plusieurs années que j'ai l'habitude de faire cette prière-là. Avec le temps, c'est comme si j'ai même développé une certaine crainte de faire cette prière-là. Parce que je savais que lorsque j'allais faire cette prière, Dieu n'allait pas me manquer, puis il allait montrer réellement ce qu'il me demandait de lui remettre. Et souvent, c'était quelque chose auquel j'étais attaché. Des fois, c'était mon orgueil, des fois, c'était ma fierté. C'était quelque chose que j'étais attaché, qui me demandait de lui remettre, mais parce que ça nuisait à ma relation avec lui. Des fois, c'était quelqu'un que je devais pardonner. Des fois, c'était mon orgueil et ma fierté que je devais lui remettre et aller confesser quelque chose à quelqu'un. Des fois, c'était une série Netflix, comme je disais, que j'ai commencé et dit hey, « en ce moment-là, ça souille ton âme plus qu'autre chose. » Et tu vas être mieux sans. Et je vous dis que peu importe à quel point, des fois, c'était difficile de me séparer des choses que Dieu me demandait de lui remettre, à chaque fois que je changeais de direction, à chaque fois que je lui remettais ce qu'il me demandait de lui remettre, la paix que j'avais perdue recommençait à revenir. L'amour pour Dieu et pour les gens qui commençaient à s'estomper recommençait à prendre vie en moi. La foi que Dieu peut et veut accomplir de grandes choses recommençait à prendre vie dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu, en ce moment, vous demande de lui remettre? C'est quoi les choses, en ce moment, dans votre vie, qui ne lui sont pas agréables? Si vous aviez Dieu en face de vous physiquement, là, et que vous lui posiez la question, « Seigneur, montre-moi quelles sont les choses, en ce moment, qui, dans ma vie, te déplaisent? Quelles sont les choses qui mettent une distance entre toi et moi? » Qu'est-ce que vous pensez qu'il répondrait? Et peut-être qu'alors que je parle de tout ça, le Saint-Esprit est déjà en train de vous montrer des choses qui vous appellent à lui remettre. Et je vous en prie, remettez-lui. Vous ne regretterez jamais de remettre les choses que Dieu vous demande de lui remettre. Jamais, jamais. Parce qu'une des choses, des fois, qui peut être décourageante dans notre repentance, c'est le fait de croire la pensée, je dirais même le mensonge, de croire que, de se dire, hey, ça fait tant de temps que je me suis éloigné de Dieu. Ça fait tant de temps que je ne marche pas dans l'intimité que je voudrais avec Dieu. Ça va en prendre du temps avant que je revienne à une vraie connexion, à une vraie intimité avec Dieu. Ça va en prendre des semaines d'obéissance, des semaines de jeûne et prière à chercher sa face pour que je puisse connecter à nouveau avec lui. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche dans notre relation avec Dieu. La réalité, c'est que peu importe à quel point vous pouvez vous sentir loin de Dieu, vous êtes toujours à un demi-tour d'expérimenter à nouveau sa présence. Vous êtes toujours à un demi-tour d'expérimenter à nouveau sa paix. Parce que la réalité, c'est que Dieu vous attend. Dieu vous attend avec impatience. Et c'est mon dernier point aujourd'hui. Et je ne vais vraiment pas être long. Dieu vous attend. Dieu vous attend. Et Dieu attendait le peuple d'Israël. Et c'est une des raisons pour laquelle j'aime tant le livre de Joël, c'est parce qu'on voit l'amour et la passion de Dieu envers son peuple, surtout lorsqu'il revient à lui. La réponse de l'Éternel, alors que le peuple d'Israël revient à Dieu, change de direction, se repent, voici la réponse de l'Éternel. Ah, l'Éternel éprouve pour son pays un amour passionné. Et il a pitié de son peuple. C'est pourquoi il répond et il dit à son peuple, « Je vais vous envoyer le blé, le mou et l'huile fraîche et vous en serez rassasiés. » Il leur dit, « Alors vous revenez à moi, je vais vous envoyer des récoltes en abondance. Le blé va recommencer à être produit en abondance, le vin aussi, l'huile aussi. Vous allez recommencer à manger à votre faim et à être bien économiquement. Je vais vous bénir. »
Mais Dieu est tellement un Dieu de grâce, d'amour, qui ne s'arrête pas là. Il va plus loin et il ajoute ceci. « Je vous dédommage aussi pour les années qu'ont dévoré les sauterelles et les criquets. » Non seulement il accepte leur repentance, et il leur donne abondance de récoltes alors qu'ils ne le méritaient pas, mais en plus il les dédommage pour toutes les années qu'ils ont perdues, qu'ils ont justement perdu parce qu'ils avaient brisé l'alliance. C'était normal, vous brisez l'alliance, vous allez avoir moins de récoltes, c'est les conséquences de votre désobéissance. Mais Dieu les dédommage comme si Israël avait des droits à lui faire valoir, comme si c'était lui qui était en tort. Ce passage-là nous montre que Dieu prend un amour, prend une joie incroyable à bénir ce qu'il aime et à bénir son peuple lorsqu'il revient à lui de tout son cœur. Dieu prend un plaisir à bénir son peuple. Il voulait vraiment qu'ils reviennent à lui. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, peu importe où vous vous situez, Dieu a les bras grands ouverts. Dieu a les bras grands ouverts et il vous attend. Il vous attend dans sa présence pour vous remplir à nouveau de son esprit, de sa joie, de sa paix, de son amour, de son espérance, de sa patience. Dieu a les bras grands ouverts. Dieu a les bras grands ouverts. Puis si on obéit à Dieu, c'est oui, premièrement par amour, parce qu'on l'aime, par reconnaissance. Mais on va se dire les vraies affaires aujourd'hui. Si on obéit à Dieu, c'est aussi parce que c'est dans notre intérêt. Le peuple d'Israël, oui, ils sont revenus à Dieu parce qu'ils voulaient, parce qu'ils l'aimaient, parce qu'ils étaient attachés à lui. Mais ils sont revenus à Dieu aussi parce qu'ils voulaient recommencer à manger. Ils voulaient recommencer à vivre la vie d'abondance qu'il avait pour eux. Mon point est le suivant. C'est qu'à chaque fois que Dieu nous demande de renoncer à quelque chose, c'est toujours parce qu'il a mieux pour nous. Dieu ne veut pas nous voler, il veut nous libérer. Ça, c'est la vérité. Et souvent, une vie de repentance, une vie d'obéissance sans compromis à Dieu, ça peut être vu juste comme quelque chose de dur et de négatif, alors que c'est une réelle bénédiction. Et c'est ça qui produit, en fait, c'est seulement ça qui produit la vraie vie en abondance. Et alors qu'on revient à Dieu, non seulement Dieu nous bénit, mais fait de nous aussi une source de bénédiction pour les personnes qui nous entourent. Lorsque le peuple d'Israël revient à Dieu. Lorsque le peuple d'Israël revient à Dieu, Dieu, oui, leur donne une bénédiction qui est matérielle. Vous allez recommencer à avoir des récoltes abondantes. Mais il leur fait aussi une promesse. Une promesse qui va être une bénédiction pour leur peuple à eux, mais qui va être aussi une bénédiction pour le monde entier. Et cette promesse est la suivante. « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Et même sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Alors que dans l'ancienne alliance, seulement quelques hommes, les prophètes, pouvaient avoir et bénéficier du Saint-Esprit de manière seulement ponctuelle, là Dieu il dit « je vais répandre mon esprit sur toute chair ». Que ce soit les jeunes, les vieux, peu importe le sexe, peu importe le statut social, il dit même les serviteurs et les servantes qui pour plusieurs d'entre eux ne faisaient même pas partie de l'Alliance, ne faisaient même pas partie du peuple d'Israël. Et lorsque Dieu leur donne ça, il leur dit « le Saint-Esprit que je vais vous donner, oui ça va être une bénédiction pour vous, mais ça va être une bénédiction pour le monde entier ». Parce que lors de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit descend sur les premiers disciples, en Actes 1, verset 8, la parole de Dieu nous dit que Dieu a donné son Saint-Esprit afin qu'ils soient les témoins dans le monde entier. Que le monde entier entende la bonne nouvelle de l'Évangile et puisse avoir l'opportunité d'avoir le pardon pour leurs fautes et d'avoir accès à la vie éternelle. Ça, c'est la réalité. Ce que je suis en train de dire, en fait, c'est que la repentance du peuple d'Israël n'a pas juste bénéficié au peuple d'Israël, mais au monde entier. Aujourd'hui, si Dieu vous appelle à revenir à lui, à une vie sans compromis, de tout votre cœur, c'est parce que oui, il veut vous bénir et c'est le seul moyen pour vous d'expérimenter la vie en abondance qu'il a pour vous. Mais c'est aussi parce qu'il veut faire de vous une source de bénédiction pour les personnes autour de vous. Il veut faire de vous un agent de paix dans votre famille, auprès de vos enfants, auprès de vos ados, peut-être avec qui c'est difficile en ce moment. Dieu veut vous donner sa paix surnaturelle pour amener la paix dans votre famille, dans votre milieu de travail. Dieu veut faire de vous des agents d'amour qui allez aimer les personnes autour de vous, qui allez influencer par votre compassion et par votre amour. Dieu veut faire de vous des agents d'espoir dans un monde qui en ce moment n'a jamais peut-être été autant découragé. Dieu veut faire de vous des agents d'espoir. Dieu veut utiliser son Église pour faire une différence en ce moment. Dieu veut utiliser son Église pour briller. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Dieu veut faire de nous des lumières qui éclairent les personnes autour de nous. Dieu nous appelle à briller. Et peut-être que
vous entendez ce message-là, puis vous dites, en ce moment-là, oui, je veux briller, je veux être un agent d'amour, je veux être un agent de paix, mais en ce moment, c'est moi qui ai besoin d'amour. En ce moment, c'est moi qui ai besoin de paix. Je suis rempli d'anxiété, je suis rempli de stress, c'est moi qui ai besoin. En ce moment, oui, Dieu m'appelle à être un agent d'espoir, mais en ce moment, c'est moi qui suis découragé. En ce moment, c'est moi qui suis sans espoir. La réalité, c'est que Dieu, c'est une des raisons, c'est la raison en fait pour laquelle il vous appelle à revenir à lui. Parce que de nous-mêmes, on est incapable d'être en paix. De nous-mêmes, on est incapable d'aimer de la manière qu'il désire qu'on aime. De nous-mêmes, on est incapable de toujours avoir une espoir et une foi inébranlable. Il y a quelques temps, il y a quelques années, en fait, j'ai découvert quelque chose qui a façonné ma pensée par rapport à la vérité que je suis en train de vous communiquer. C'est que la lune qu'on voit, on a tous été à un moment donné émerveillés par un clair de lune vraiment puissant, de voir la lune qui produit une lumière tellement puissante. Mais j'ai découvert que la lune, en fait, de elle-même, ne produit quasiment aucune lumière. Aucune lumière. Et lorsque j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est impossible qu'elle ne produise d'elle-même quasiment aucune lumière. On la voit alors qu'on est extrêmement loin d'elle. La réalité, c'est que toute la lumière qu'on voit du clair de lune est seulement le reflet du soleil. Seulement le reflet du soleil. Par elle-même, aucune lumière. Mais alors que la lumière du soleil est tellement forte sur elle, on a l'impression que c'est la lune qui brille. Laissez-moi vous dire que Dieu veut refléter son amour, sa paix, sa patience sur vous. Un point tel qu'on va croire que ça vient de vous, alors que ça vient de Dieu. J'aimerais vous dire que Dieu vous attend dans sa présence. Dieu vous attend dans sa présence et alors vous approchez de lui. Il va vous remplir de son amour, de sa paix, de sa joie, des fruits de l'esprit. Et je vous invite vraiment à prendre un temps aujourd'hui. De prendre un temps et comme David dans le psaume 139, un temps où vous allez arriver devant Dieu et dire « Seigneur, montre-moi. Montre-moi si en ce moment il y a quoi que ce soit dans ma vie qui nuit à l'intimité que tu aimerais avoir avec moi. Montre-moi afin que je puisse te le remettre. » Et alors vous le remettez, regardez ce que Dieu va faire dans votre vie. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur, je te remercie. Je te remercie de ce que tu es un Dieu de grâce. Merci de ce qu'il n'y a aucune condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ, mais tu as une vie abondante pour nous. Et cette vie abondante-là, on peut la vivre seulement dans une vie sans compromis en toi, Seigneur Dieu. Une vie où on marche dans ton intimité. Et je te prie pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo en ce moment. Viens les remplir. Alors qu'ils s'approchent de toi, viens les remplir de ton esprit. Viens les remplir de tes dons. Viens les remplir de ta paix, de ta joie, de ton amour. Et fais de eux les sources de bénédiction que tu les appelles à être. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et je vous invite à ne pas quitter. À prendre vraiment un temps alors que l'équipe de louanges va nous conduire dans un dernier chant. Prenez ce temps pour connecter avec Dieu, car Dieu vous attend dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, oh Dieu de gloire, Dieu. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve ce dimanche à 9h et à 11h30. Bonne semaine.